d'être venu à Maurice pour la finale de la Web Cup 2014. Pour un rappel rapide, elle a permis aux Seychelles et aux Comores, nouvelles îles arrivantes dans la compétition cette année, de venir à Maurice concourir contre Madagascar, La Réunion, Mayotte et Maurice. C'était donc les gagnants des phases de sélection au niveau de leur propre pays. La finale s'est déroulée ici. La Web Cup est une initiative de l'association Web Cup Réunion, dont le président est Fabien Degieux. Fabien Degieux. Merci à la Web Cup de nous avoir permis de participer à cette grande aventure, maintenant depuis 2 ans. Merci à tous les participants. Merci. Alors, la Web Cup n'aurait pas eu lieu sans nos différents amis, partenaires, sponsors. Merci au gouvernement, entre autres mauricien, qui a permis la réalisation de cette finale, qui a joué le jeu avec nous depuis quelques mois maintenant, pour nous donner l'occasion de mettre en place toute l'organisation que nous avons mis en place, faire venir les équipes des différentes îles, les accueillir ici, les loger, les nourrir, et les faire suer, parce qu'ils ont sué pendant 24 heures, il faut être réaliste. Merci à nos partenaires Orange pour la ligne qu'ils nous ont fournie, et Ben Accélérateur pour les locaux magnifiques qu'ils nous ont pu nous prêter, et EDS pour tout le matériel et toute la logistique et nous avoir soutenus dans des moments de stress ce week-end. Merci à nos partenaires Cedeco, Ezokia, Pangosoft, Medin, Domo, Heroes Factory, VMC, Elite, Checkout et EOS pour être présents et nous avoir permis d'avoir entre autres du café, nous avoir permis d'avoir des prix, avoir amené plein de choses qui ont fait que la Web Cup s'est déroulée. Et bien sûr, la CCIFM, l'OTAM et la MITSIA sont les 3 associations d'éthique de l'île de Maurice. Et ce sont ces 3 associations qui portent l'organisation de la Web Cup depuis 2 ans. La finale a eu lieu ce week-end. Un gagnant a été, après longue discussion, après pas mal d'échanges au niveau de tous les critères qui ont fait le choix, une équipe a été sélectionnée. Je vais appeler Bren du ministère, s'il vous plaît, pour pouvoir remettre la coupe à l'équipe qui a gagné la finale 2014 de l'édition Web Cup. J'appelle devant nous l'équipe de Madagascar, s'il vous plaît. De la chambre, l'équipe des Seychelles, s'il vous plaît. Bravo. Et l'équipe des Comores. Bravo. Le grand gagnant a été Madagascar pour cette seconde finale. Les jurys ont dû délibérer en fait sur des critères de sélection plutôt variés. Il y avait sur le graphisme, le développement plutôt technique, sur l'ergonomie, sur aussi le contenu et puis je dirais de façon plus globale sur leur ressenti en tant que juré sur un site web que les participants avaient uniquement 24 heures pour développer sur un sujet qui était le même pour tout le monde et qui était présenté de manière originale.